Moi, je Voilà. pense qu'on est entre nous. Après, les notions de la médecine, etc. Ce qui compte, c'est ce que nous, ça produit en nous Oui, comme effet, comme etc. moment, Non, ouais. ce qu'on en ressent. Tout à fait. Richard, une idée sur le mot détox en sachant que c'est le nom de l'émission IRM Détox? Je me souviens que lorsqu'on avait parlé de l'émission, tu voulais l'appeler Désintox. Exactement, désintox. Et il y avait déjà une émission qui s'appelait comme ça, Désintox, Tout et à c'est la fait. raison pour laquelle tu as trouvé l'idée de l'appeler IRM Détox. Ne pas laisser Détox tout seul, parce que la connotation justement alimentaire était trop forte. Et avec IRM, et on sait qu'IRM parle des médias, donc IRM Détox collait bien. Mais comme souvent pour un titre d'émission, c'est pas le champ lexical du terme qui compte, c'est pas la valeur sémantique qui compte, c'est ce que ça évoque, ce que ça symbolise et ce qu'on va mettre dedans. Donc la détoxification, c'est peut-être un nouveau mot qui n'existe pas. La désintoxication, ça existe. Oui, ça Et existe. finalement, détox, ben, c'est la désintox moins un. Désintox moins un. On peut dire ça comme ça aussi. Alors, peut-être que détoxification, c'est ça, Arnaud, n'existe pas. Là où nous avons désintox. Oui. Et d'ailleurs, et Richard l'a évoqué, il y a de plus en plus de médias d'ailleurs. Il y a une émission certes qui s'appelle Désintox, mais il y a de plus en plus de médias qui ont ce qu'on appelle un service de désintox face notamment à la propagation des fake news. Il a été urgent pour eux de rétablir ce que je vais appeler, on va dire, cette noblesse journalistique, on va dire, de donner la bonne information et au bon moment. Donc, si on a un doute sur une rumeur, si ça ressemble à une légende urbaine 2.0, et tout d'un coup, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'en ce moment, il y a une fake news sur les cartes bancaires sans contact, par exemple, où on peut se faire pirater si quelqu'un, enfin, vraiment, on me l'a raconté de manière tellement sérieuse, mais ça me paraissait tellement peu plausible, et qu'on peut te pirater si on s'approche de toi avec un appareil spécifique dédié. Oui, moi aussi j'ai entendu ça. Voilà, Et on c'est entend avéré des comme choses. faux. Voilà, ça s'est avéré comme faux. Ah bon? Toi, Ah ben moi j'y croyais. tu y croyais? Moi j'y croyais vraiment. Non, je lui dis, il y a des hackers qui sont Moi aussi, je pense. performants. Ouais. Je pense que c'est possible. C'est une fake news. C'est peut-être pas encore actif, mais techniquement c'est possible. Ça pourrait arriver, je pense. Ça pourrait Donc arriver. Pour oui, c'est l'instant, une erreur. c'est une fake news. Désintox, pour le coup, est-ce que ça vous parle plus si on parle de désintox par rapport effectivement au champ lexical de l'émission? Oui, Perso, on moi, est là pour ça. désintox, je vois plus le côté biologique, Encore? le côté santé, etc. Mais mental, je trouve détox, ça parle mieux. Sur Ok, le détox mental. désintox, ça veut dire intoxication Oui. alimentaire dans le subconscient. Donc là, on doit Donc vraiment éliminer. détox, ça me semble pas mal comme terme. Ça sonne comme un nettoyage, débarrasser des impuretés. C'est pas faux. Et ouais, pour le mental, ça me semble pas mal. Alors, si on va un peu plus loin dans nos termes, en tout cas les termes qu'on a choisis qui nous correspondent, intox. Là, pour le coup, ça parle à tout le monde, Richard, intox. Un tox, oui. Voilà. Un tox, maintenant il y a un fox qui a Oui. été créé en parlant de un tox et de fox, info et un tox a Intox. donné un fox. Fox News, il n'y a pas de rapport. Fox le renard. Je Non, intox, effectivement, c'est le diminutif ou apocope, dirait Arnaud, d'intoxication. Alors, en tout cas, dans les médias, c'est une technique de déstabilisation, enfin, d'un adversaire en lui fournissant de fausses informations, désinformations, fake news, matraquage idéologique. On va revenir plus tard sur des informations qui Ou m'intéressent canular. beaucoup, canular, hoax. Et effectivement, ça donne un fox. Alors, un fox, c'est mix entre info, information et intox. Intoxication, là, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est la traduction française de fake news. Puisqu'on se disait qu'on ne sait pas vraiment traduire fake news, on aurait dit fausse nouvelle ou fausse information. Mais en fait, pas du tout, en sachant que c'est une décision de la commission d'enrichissement de la langue française. Donc maintenant, pour fake news, en France, on dit infox ou information fallacieuse. C'est bon, on revient à la langue française. Ouais. On Il pourrait faut. dire information trompeuse aussi, où là il y a une vraie intention Tout de à fait. nuire et d'induire en erreur. C'est ça. Puisque c'est ça, en fait, derrière les fake news. C'est le problème, comme tu l'as très bien dit. C'est ce qu'il y a derrière. Il y a une idée de tromperie, Malveillance. de malveillance. C'est vraiment un acte De malveillant, manipulation. de Ah oui, manipulation. Tout c'est à ça. fait. Mais il y a un vieux mot qui n'a pas été prononcé, qui est le mot originel. Pour nommer ce type de procédé, c'est propagande.
Ah, c'est un mot auquel j'ai pensé. Oui, on parle. Alors, je n'ai pas osé le dire, mais il y a le mot propagande. Tout à fait, voilà, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Notion politique tout de suite. Notion politique, tout à fait. Bah, puisqu'on parle de fake news, allons directement dans le cœur du sujet. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Ce qu'est une fake news, avant de parler vraiment des conséquences d'ailleurs. Moi, je dirais le marketing de la peur, en un mot comme ça. Pas si ça résume un petit peu ça. Donc effectivement, c'est une fausse information. L'intérêt, c'est de défavoriser, par exemple, un parti politique. Tout à fait. Faire basculer le résultat d'un vote, exact. Par exemple. Entacher la réputation d'une personnalité, c'est voire ça. Une entreprise également. Ou une organisation, ou une entreprise, bien sûr. Contrer une vérité scientifique établie. Tout à fait. Et puis, éventuellement, j'ai vu... développer la xénophobie et, ou le racisme dans la population. Ça, c'est l'intérêt, enfin en tout cas le but affiché d'une fake news ou d'un infox. Mm-hmm. Voilà, une manipulation, quoi. Voilà ce qui se passe actuellement dans l'intérêt d'un motif souvent mercantile. Toi, c'est d'un point de vue mercantile, mais c'est aussi pour tromper ton auditoire. Par exemple, tu parlais d'organisation, on va dire organisation politique. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de... notion mercantile derrière. Là, c'est plus pour tromper les gens. Oui, oui. Après, ça dépend de la fake news en fait que tu prends. Quoi. C'est surtout ça. Après, tout est en fonction effectivement de l'actualité que tu as. Quoi. C'est surtout ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous suivaient pas mal sur Twitch. Ah. Donc, ils peuvent très bien intervenir s'ils considèrent qu'on dit des choses justement fallacieuses, pernicieuses, non justes, qui relèvent de la rumeur et de la fake news. Et bien qu'ils nous le disent et puis qu'ils donnent leur avis finalement. Bien sûr. Tout avis est bienvenu et nous sommes là pour en discuter. Ménel, une idée sur à quoi ça te fait penser, fake news, dans le sens où effectivement, c'est une information certes mensongère et délibérément biaisée. Ça date du 4 octobre, c'est sorti au Journal officiel. Donc vraiment, on pose de plus en plus des limitations par rapport à ça. Il y a une loi anti-fake news qui est passée discrètement, mais elle est passée quand même. On va y revenir. C'est vrai que c'est assez dangereux. Fake news, qu'est-ce que ça t'évoque ? Moi, je vais rejoindre l'avis d'Arnaud et je dirais que c'est un peu de la manipulation mentale. Et aussi, il y a un désir de troubler l'ordre social, tout simplement. Parce que ça a pour effet de casser un peu l'ordre directement et de... divulguer de fausses informations. De casser l'ordre. Qu'est-ce que tu entends par casser l'ordre ? Tout simplement, ça peut avoir des effets hors normes. Ça peut stimuler des débats un peu durs. Ça peut opposer les gens. Ça peut opposer les gens. Oui, ça peut opposer les gens. Ça peut faire élever des manifestations. Diviser. Oui. Pour régner. Exactement. Ouais. Jérôme, puisque tu... Moi, je pense qu'il y a plusieurs notions de fake news. Je pense qu'on peut séparer la fake news commerciale, telle qu'on peut voir dans les gazettes, par exemple, machin sort avec machin pour faire des photos qui vont se vendre, etc. Mais tout ça, c'est monté de A à Z. Mm-hmm. Et d'autres fake news qui sont construites à des fins politiques, qui viennent du haut vers le bas, ou alors des faits qui sont désignés comme fake par le pouvoir, mais qui ne le sont pas forcément. Vous voyez, ça peut balayer large. Fake news, après, ça dépend qui a autorité pour déterminer si c'est fake ou si c'est pas fake. C'est ce qu'on dit. Mais de toute façon, il y a une autorité. Il y a une autorité. La police de la pensée, non. si, on va y venir. Mais un petit peu quand même. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, il y a une loi anti-fake news. Nous avons pas mal de sites et... De plus en plus, le gouvernement veut éduquer les gens, et ça commence très tôt. D'ailleurs, il y a des sites pour les petits pour leur apprendre à savoir démêler le vrai du faux. Ontemanipule.fr. Peut-être. Point gouv.fr. C'est un site du gouvernement. Et il y a vraiment un guide aussi sur gouvernement.fr, un guide pour savoir, pour apprendre. Apprendre à penser. Non. Pardon. Alors, ça aussi, je pense qu'il y a tellement de choses auxquelles on. Dont on va parler, notamment ça, bien sûr. Ouais. Mais non, c'est une méthode pour apprendre à
à démêler. Ça peut paraître bienveillant, le rôle des parents que les parents devraient avoir, d'éveiller leur enfant, faire attention, ne crois pas tout ce qu'on te dit, etc. C'est ça, éveiller leur sens critique, c'est important, justement. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et le gouvernement s'est octroyé la charge de cette responsabilité d'aider les jeunes et moins jeunes à ne pas... Richard, tu as un avis là-dessus, sur ce côté éducatif du gouvernement, justement, de nous aider à avoir un peu plus de discernement? Je pense qu'il faut se méfier des aides qu'on veut nous proposer, parce qu'il y a une grande confusion qui risque de naître. Là où il faut former le regard des jeunes pour qu'ils se fassent leur propre jugement, on a tendance à vouloir leur former leur jugement. Mmh. Magnifique. Et là, c'est un dérapage. Oui. Et je pense que les aides doivent porter sur les outils et pas sur l'usage. Voilà comment on se sert de l'outil, mais c'est toi qui décides de la façon dont tu vas t'en servir in fine et ce que tu vas en faire. On te forme le regard, on ne te dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. On te dit le bien et le mal sont des notions qui sont finalement discutables, le manichéisme primaire n'existe nulle part. Ce qui est vrai, ce qui est faux, bah là aussi, les vérités, il suffit de faire référence au théâtre de Pirandello qui disait « chacun sa vérité ». Ce qui est une vérité pour l'un peut ne pas l'être pour Bien l'autre. Sûr. Et pour tout ce qui concerne les grandes humeurs de la société, je parlerai même des croyances, sans parler des opinions politiques, je pense que le devoir des parents pris dans le sens le plus noble et le plus large du terme, c'est-à-dire tous ceux qui nous éduquent, qui nous enrichissent, c'est de former notre jugement, de nous aider à nous faire notre propre jugement, former notre regard, pardon, et nous aider à nous faire notre propre jugement sans nous imposer un jugement, une opinion ou une version des choses. Mmh. Et là, je pense qu'on est encore un peu loin du compte. Tu parlais de manichéisme tout à l'heure et pourtant c'est une des méthodes de la désinformation, c'est d'opposer les gens et de se dire il n'y a que deux camps, les bons et les mauvais. Donc là pour le coup, pour ce qui est du sens critique ou du discernement, on ne l'a pas puisqu'on nous impose déjà d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. Le grand ennui dans tout ça, c'est que pour mobiliser les foules, il faut être rudimentaire. Et plus on est rudimentaire, plus on désigne le méchant, plus on arrive à... Parce qu'on ne peut pas mobiliser les foules pour quelque chose, il est beaucoup plus facile de les mobiliser contre quelque chose. Tout à fait. Et donc on désigne le méchant, et c'est comme ça qu'on mobilise les gens. Le jour où on arrivera à mobiliser les foules pour quelque chose, dans l'esprit positif, là ce sera bien. Mais c'est compliqué, il suffit de... Je fais référence à cet ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle « La psychologie des foules » de Gustave Le Bon, démontre ça. Et les plus grands dictateurs se sont servis de cet état d'esprit-là pour pouvoir diriger les gens, dans leur discours notamment. Arnaud, tu as une remarque à faire. Oui, parce que Richard, tu parles de mobiliser les foules et former son propre jugement. Simplement, parce qu'on parle des définitions fake news, infox, intox, etc. Si on parle de ces mots maintenant, puisque comme j'ai dit tout au début de l'émission, ces mots-là n'existaient pas, ils sont en train d'arriver depuis les dizaines d'années qui suivent, il faut aussi parler du discrédit des médias, grand public. Parce que tu parles de mobiliser les foules. Derrière, le problème, c'est que dans les mainstream, donc les médias grand public, ça s'écroule. Au niveau des audiences, c'est en train de s'écrouler. Alors, tout ne s'écroule pas, mais en tout cas, tout le monde est en train de partir. On va souvent vers des choses en fait alternatives. Et ça monte progressivement, en tout cas, tout ce qui est alternatif. Et donc, pas forcément contrôlé. Qui pose problème, d'ailleurs. C'est oui, pas contrôlé. Oui, mais on peut essayer... Tout ce qui est centralisé n'a pas intérêt à ce que les gens se forment leur propre intelligence et leur propre regard. C'est-à-dire que pour pouvoir diriger un peuple, il faut le rendre compte. Les médias vrai. Y contribuent largement. Et quand tu parles des mainstream, on est dans un pouvoir central qui est autant un pouvoir central médiatique que pourrait être le pouvoir central de l'exécutif, qui consiste à dire aux gens, c'est pas la peine que vous réfléchissiez trop, nous on sait ce qui est bon pour vous, et c'est de là que sont nées toutes les dictatures du monde. Mais ça pose aussi la question de l'indépendance des journalistes. Parce qu'on parle de médias mainstream, pourquoi mainstream ? Mainstream, bon, c'est simplement les grands organes importants, en fait. Tant que les grands médias, les grands groupes, les grands médias appartiendront à des groupes militaro-industriels qui répondent à des marchés d'État, on ne pourra pas parler de liberté de la presse. C'est sûr. Et il se trouve que donc, ce sont les médias privés qui sont plus inféodés au pouvoir que les médias publics, parce que dans les médias publics, il y a les syndicats qui constituent un contre-pouvoir, et ils ne sont pas là dans les médias privés.
Et pour réenchaîner, en fait, par rapport à ça, donc ça c'est parfait, après le discrédit des médias grand public, on peut regarder pourquoi les gens partent, à la limite, au niveau de la télé. Par exemple, on a quand même actuellement, dans le monde des médias, un discours de guerre civile. Est-ce que ça, vous voyez, depuis pas mal de temps, je dirais au moins 2-3 ans, en fait, derrière, quoi. Qui, qui s'accentue. Bah, vous pouvez regarder Éric Zemmour. On parle souvent du discours de la haine, etc. Oui. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous marquez discours de la haine, vous allez avoir plein d'émissions, en fait, à la radio, qui va parler de ce traité, enfin, qui va traiter ce sujet-là. Mmh. J'avais deux citations. La puissance publique n'est pas par nature garante de la vérité. On peut regarder Rainbow Warrior, c'est le traitement par exemple de Tchernobyl à l'époque. Exactement. Pour ce que disait Richard juste avant, ce que disait De Gaulle, mieux vaut un mensonge qui élève qu'une vérité qui abaisse. Tu vois ? C'est donc, discutable. D'où l'intérêt d'avoir du fake news, ce fameux positivisme. Un mensonge qui rassure ou une vérité qui dérange. Cela, c'est quand même assez dangereux. Mais ça remet complètement en cause tout ce qu'on est en train de se dire, la notion de démocratie. Comme on peut regarder ce qui s'est passé en Angleterre avec le référendum sur le Brexit. Oui. C'est sur la base d'intoxication, de propagande et de fake news que les gens ont massivement voté pour sortir de l'Europe. Et ils se retrouvent dans une merde... Réellement ? Réellement. Réellement, on leur a dit des choses complètement absurdes et ils ont foncé là-dedans. Et c'est comme ça qu'ils ont pu voter pour sortir de l'Europe. Est-ce que s'ils avaient eu des avis et des informations éclairées, ils auraient voté de la même façon, la question reste posée. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ça a vraiment été biaisé à ce point-là, pour le Brexit. Tout à fait. C'est de notoriété publique. Et d'ailleurs, la difficulté que rencontrent aujourd'hui les dirigeants du Royaume-Uni pour sortir de l'Europe, en préservant ce qui a été acquis, notamment par l'Irlande, etc., le démontre. Et on va voir ce que vont donner les nouvelles élections qui vont être organisées là bientôt. Et on va voir si le peuple est plus sage. Parfois, les gens, sur la base d'informations ou de propagande, vont émettre des votes qu'ils regrettent ensuite lorsqu'ils sont vraiment documentés. Mais si je puis me permettre, ils avaient déjà voté non à Maastricht, quand même. Les États européens étaient à l'unanimité contre le traité de Maastricht, contre l'Europe. En France aussi, on avait voté contre. Ah oui, 53%, la moyenne des États européens, était contre la construction de la communauté européenne. Mais c'est sur un plan politique, je ne sais pas, mais sur un plan économique, si on veut faire le poids face à la Chine, les États-Unis et autres, on est obligé de se grouper. Alors qu'on appelle ça l'Europe ou autrement, simplement, peut-être que ce n'est pas le territoire qui devrait déterminer avec qui on se groupe. Mais comme tu dis, c'est notre histoire. Alors qu'il y avait déjà des marchés comme le marché commun, économiques. C'est le marché commun qui est devenu l'Europe. De Gaulle avait créé le marché commun et c'est devenu l'Europe. De Gaulle avait l'idée de faire l'Europe. Ménel, tu voulais dire quelque chose. En fait, c'était juste pour revenir sur les grands médias. Moi, personnellement, je trouve que les gens, ils ont délaissé les grands médias pour aller s'informer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le réel problème, c'est les réseaux sociaux, puisque les gens, ils vont partager des informations qu'ils auront partiellement vues. Ils regardent juste des courts extraits et ils se font vite un avis dessus. C'est vrai aussi. Et c'est ça qui fait la propagande de mauvaises informations et les personnes, ils vont vite se décider sur un sujet qui ils ne se sont pas forcément assez informés dessus. Une vérité partielle peut être un mensonge, peut devenir un mensonge, c'est un peu le sophisme. C'est une vérité bien contrôlée. Mais ce que faisaient aussi les médias mainstream, parce que ça se fait depuis la nuit des temps, mettre bout à bout des vérités partielles, montrer des images tronquées bout à bout, qui sont des vérités, mais mises bout à bout amènent à suggérer des raisonnements fallacieux. Arnaud ? Oui, c'est parce que Ménel parlait des réseaux sociaux. Oui. Je ne suis pas sûr que ce
que ce soit le problème. Non, que ce soit bien d'avoir des réseaux sociaux. Non, je veux juste dire pourquoi. Moi, je vois juste avec... De nouveau, on est dans la définition de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Non, mais ou à la limite, un axe de réflexion. Ce sont des outils, après à nous, de savoir nous en servir. Mais vas-y. Non, c'est parce que je voyais juste avec les réseaux sociaux une sorte de défouloir, c'est tout. Mais ils ont... Il n'y a pas que ça. Les gens qui font partie des réseaux sociaux, qui participent à ça, etc., à l'arrivée, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun. Celui de communiquer entre eux. C'est juste ça, ils échangent. Oui, mais enfin, est-ce qu'ils ont une influence, en fait, sur leur sur l'avenir, sur leur avenir, en fait, personnel? J'aime beaucoup pas sûr, cette quoi. Question. Est-ce qu'ils ont une influence sur leur avenir personnel? Mais à l'heure où sort le film sur l'affaire Dreyfus, sans parler du réalisateur, cette affaire-là a été concoctée par un système, donc on va prononcer le mot puisqu'on ne l'a pas encore prononcé, on va y arriver. De rumeurs. Tout à fait, de rumeurs. Juste après, oui. Et il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour aller développer une vindicte populaire et jeter l'opprobre sur quelqu'un qui finalement n'était coupable de rien, peut-être. Mmh. Après, la vérité, elle est autre. On a parlé récemment de l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, pour l'instant, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et dès qu'on a quelque chose, ou même de l'Igonès, vous avez quelqu'un qui sort une info complètement stupide avec un mec qui n'a rien à voir, etc. Et vous avez les médias qui s'enflamment, breaking news, on parle que de ça pendant 24 heures. Et non, mais en plus de ça, c'est-à-dire que quand on dit, oui, dans les réseaux sociaux, on se contente de regarder un truc et puis on relaie une information, même si elle n'est pas bonne, etc., et là, les journalistes disent, nous, c'est pour ça que nous, les journalistes, on existe, parce que nous, on hiérarchise. Quand on voit la réaction de BFM avec Dupont de Ligonnès, où manifestement, ça ne pouvait pas être lui, et vous avez BFM qui a tout arrêté, on ne parlait que de ça sur cette chaîne, les journalistes, excusez-moi, ils ne sont pas beaucoup plus malins que les gens qui relaient des fausses histoires sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est même pire. Parce que le son de cloche, il est unilatéral sur les médias mainstream. Au moins, sur les réseaux sociaux, c'est comme Internet. Même s'il y a 90% de conneries, mais il y a quand même 10% de vérité. Oui, on peut développer le contre-discours. Bien sûr, on peut développer le contre-discours. Voilà. Donc, il y a quand même du bon à prendre. Ça dépend de ce qu'on en fait. Oui. Arnaud, sur les réseaux sociaux, pour... Je n'avais plus rien à dire. Je voulais juste dire que j'avais juste une interrogation, puisque Ménel parlait des réseaux sociaux, juste une interrogation sur la réalité en fait des choses, finalement, comme c'était juste un défouloir, mais il n'y a pas de décision à l'arrivée, quoi. C'est juste un défouloir, pas forcément, mais c'est beaucoup un défouloir, mais pas uniquement. Juste une question: à qui profitent les fake news, selon vous? Très bonne question. Ceux qui les créent. Qui crée les fake news? Je pense que c'est la question à se poser à toute news: à qui est-ce que ça profite? On me raconte une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un intérêt dedans? Où est-ce qu'on veut m'emmener? Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Mm-hmm. Donc, les fake news, comme je disais tout à l'heure, il y a la fake news de la Gazette, etc. Machin, Pierce Brosnan sort avec... ça, c'est fake news qui nous intéresse pas. C'est pur intérêt commercial, mais à la rigueur, on s'en fout. Ça n'a pas de conséquences. Voilà. Ça concerne que les lecteurs de la revue. Par contre, en politique, là, c'est plus lourd de conséquences. Là, il faut faire attention, par exemple... je jette le pavé dans la mare. Par exemple, la guerre en Irak, les États-Unis étaient partis chercher des armes de destruction massive. Oui, ça, c'est ils étaient sûrs qu'il y avait des... Ils ont mené une guerre. Il y avait une fiole, etc. Oui, voilà, la fiole d'anthrax. Mais c'est justement au Congrès, en politique, il y a le plus de fake news en plus. Voilà, alors qu'une fiole d'anthrax, il a fait tomber, il y a 200 morts. Bon, ça fait rigoler maintenant, mais à l'époque, ça a marché. Ça a marché. La guerre est partie. Mais ça, les gens, ils ne le savent pas forcément. Les gens ont la mémoire courte. C'est pour ça, c'est bien un petit peu de se rappeler, faire une petite rétrospective. C'est un exemple de fake news politique. C'est de la propagande, comme disait Richard. Pure propagande pure de guerre. Simple, pure et simple. Voilà, c'est vu comme le monde. Donc, c'était pour les différents aspects de fake news. Mm-hmm. En termes de répartition de fake news, puisqu'on est sur les fake news, Minel, tu venais nous parler d'un continent, notamment le continent africain. C'est ça. Où les fake news se propagent énormément. Oui. On en parle beaucoup et encore plus en période électorale, puisque les fake news sont légion en Afrique. Ils s'expliquent notamment par une utilisation de plus en plus massive d'Internet et des réseaux sociaux,
comme je le disais, enfin, en Afrique, les personnes, ils n'ont pas forcément accès à la télévision ou aux grands médias. Et Internet est plus facile d'accès pour eux. Mm-hmm. Du coup, ils se réfugient plus sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est plus facile pour eux de s'informer, mais aussi de mal s'informer. Mm-hmm. Puisque, comme on l'a dit, c'est 90% de conneries et 10% de vérité très bien cachées. Et du coup, les fake news sont aujourd'hui considérées comme un facteur majeur du désordre social dans plusieurs pays d'Afrique, puisqu'en Éthiopie, en 2018, il y a une fausse nouvelle qui a été publiée en juillet et qui a été l'origine de violentes réactions contre des ressortissants de la tribu des Oromos réfugiés en Somalie et à Djibouti. Ça a fait de véritables massacres juste pour une simple fake news. Donc on peut voir l'impact que ça peut avoir sur une population. Et on peut constater aussi que dans certains pays, certains gouvernements ont pris des mesures assez sévères qui ont débouché sur des restrictions de certaines libertés. Du coup, on a de la censure sur l'information et du coup, les personnes restent encore plus ignorantes qu'elles le sont déjà. Et moi, je voulais parler aussi d'une fake news qui est très récurrente en Algérie, qui concerne la présidence de... l'ancien président Bouteflika. Et on tourne toujours autour du sujet de la mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Oui, tout le monde, vrai, ouais. Tout le monde se renseigne. Enfin, c'est la principale information là-bas. Tout le monde se renseigne sur ça. Est-ce que c'est un clone qui a été remplacé? Ou un sosie, exact. Mais ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. C'est ça, en fait. Et du coup, comme je disais, c'est les réseaux sociaux la principale source d'information là-bas. Et voilà. Mais le gouvernement ne fait pas son devoir aussi d'information. C'est ça. Peut-être ça le problème. Ou contrôle l'information. Enfin oui, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. C'est évident qu'ils contrôlent l'information, comme tous les pays. Et du coup, il y a eu plusieurs... Facebook a essayé, parce que c'est le premier réseau social là-bas en Afrique, et d'ailleurs partout dans le monde, et qui a essayé de faire plusieurs mesures de restriction en essayant de signaler les articles qui sont considérés comme faux. C'est incroyable parce que pour certaines fake news, en tout cas, Facebook refuse de la retirer. Il préfère la laisser en s'attardant sur justement la contre-vérité, c'est-à-dire contredire la fake news. Ils préfèrent contredire plutôt que retirer la fake news. Oui, mais comme récemment, Mark Zuckerberg, j'ai un peu du mal à prononcer son nom, vu qu'il a été récemment utilisé dans certaines fake news, et comme ça l'a touché lui, il s'est lancé un peu dans une guerre... De contre les fake news sur Facebook, en fait. Mm-hmm. Il s'est engagé lui-même à faire ça, en fait. Il s'est engagé à le faire. À renforcer la censure, c'est ça? Un peu des deux. C'est à renforcer la censure, c'est une oui, c'est vrai, censure. C'est vrai, on le constate. Il essaye aussi de se racheter après le scandale de Cambridge Analytica, j'imagine. Oui, exactement. Mais la question que Ménel a évoquée est vraiment intéressante et très importante. Est-ce qu'il faut faire taire l'émetteur de la fausse nouvelle, de la rumeur, ou de la mauvaise pensée, quelle qu'elle soit, ou d'une pensée qui n'est pas la pensée la plus humaniste, ou est-ce qu'il faut, au contraire, moi je suis un fervent partisan de la liberté d'expression. Du débat. Oui. Du débat. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'ai surtout pas envie qu'on le fasse taire, j'ai surtout envie qu'il s'exprime pour que je puisse lui donner... lui porter la contradiction et éventuellement lui démontrer à lui et à ceux qui écoutent qu'il se trompe ou qu'il dit des sottises ou qu'il essaie de nous induire en erreur. Donc moi je pense que la mauvaise méthode, ça consiste à faire taire, parce que de toute façon on ne fait pas taire, on ne supprime rien sur Internet, dans les réseaux sociaux. On ne peut pas supprimer définitivement quoi que ce soit. Non, est-ce qu'on peut revenir alors dans ce cas-là, même si ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, mais ce que tu dis là me fait penser à Zemmour, on essaie de le faire taire. Il n'y a pas oui, de débat avec lui possible. Mais il en est de Zemmour comme d'autres. Moi je pensais aussi à Soral, je pensais à... Je ne suis pas d'accord avec Soral, je ne suis pas d'accord avec Zemmour, je ne suis pas d'accord avec Dieudonné. J'ai donné l'exemple. Il y a deux poids deux mesures quand même entre ces non, gens-là. Non mais attendez, oui, bien sûr qu'il y a deux poids deux mesures. Moi, je Ils suis sont pas traités de la même manière. Non, peut-être pas. L'histoire que j'ai vécue avec Dieudonné est un exemple. J'étais sur le plateau le jour où il a fait son salut nazi. J'ai écrit une tribune dans France Soir le lendemain en disant qu'on peut rire de tout à condition que ce soit drôle. Je ne reprochais pas
je reprochais de ne pas avoir été drôle. Parce que si son truc avait été drôle, pour moi, on pouvait le passer. Il avait fait un salut nazi, j'ai jamais entendu. Oui, c'était un salut. Bon. Et ensuite, son attaché de presse m'a contacté. Et j'ai d'abord eu toute la communauté juive qui m'est tombée dessus en me disant « Monsieur Joffaut, il faut interdire Dieudonné. » Je dis c'est Hitler qui interdisait les artistes. Moi, je ne vais pas interdire les artistes. Et vous, la communauté juive, pardonnez-moi de vous dire ça. Alors, comme je suis juif, je pouvais me permettre de leur dire. C'est que vous êtes d'absolus crétins. Parce que quand Dieudonné arrive dans une ville, c'est vous qui faites la promo. Ça ne lui coûte pas un centime. C'est vrai. Budget de communication. Parce que vous descendez dans la rue pour interdire le spectacle. Lui-même, il le dit. Bon. Et les manipulations, enfin, comment dire, les manifestations, il n'y a personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'ai fait venir Dieudonné à l'Académie du Visuel pour qu'on le rencontre, pour qu'on parle avec lui. Et je lui ai dit, c'est pas vrai, t'es pas antisémite, tu te crées un truc parce que c'est ton business. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il était content qu'on dise qu'il n'est pas antisémite, parce que lui, il se manifeste comme étant antisémite, mais il proclame partout qu'il ne l'est pas. Donc j'ai commencé par lui donner raison, en lui disant, oui, tu as raison, tu n'es pas antisémite, je suis d'accord. Sauf que tu fais semblant parce que c'est ton fonds de commerce. Et là, il était un peu piégé. Je préférais l'avoir en face de moi et le piéger, plutôt que de lui interdire de parler. Et je ferais la même chose avec les autres. C'est le principe du malade. Un malade, on le soigne. On a plus intérêt à, notre voisin est malade, on a plus intérêt à le soigner que de le bastonner, quoi, de s'en faire un ennemi. Oui. Ou mieux s'en faire un ami. Ou que de l'emmurer. Voilà, par exemple, oui. On va continuer dans notre recherche sémantique. Il y a un mot qui a finalement été prononcé, c'est le mot rumeur. Des idées sur rumeur? Bon, rumeur, c'est... Déjà tuer le pléonasme, oui. Qui consiste à dire une fausse rumeur. Oui, une rumeur. Parce qu'une rumeur, c'est une vraie rumeur. Et plus elle est vraie, plus elle fonctionne, et plus ce qu'elle dit est faux. La rumeur, c'est trimballer des informations qui sont... essayer de faire sourdre, d'instiller d'une façon sournoise des informations qui sont fausses. Donc si la rumeur est fausse, c'est que l'information est vraie. Donc c'est une vraie rumeur que l'on qualifie de fausse rumeur. On est là en train de... On dirait un sketch de Raymond Devos. Mais en fait, j'adore en même temps. Mais en fait, c'est ça. Quand on dit une fausse rumeur, c'est un pléonasme stupide. Et les journalistes bien pensants et des mainstream ne se privent pas pour commettre cette faute. Une rumeur, par définition, elle est fausse. Non, une rumeur, elle est juste. C'est vraiment une rumeur. C'est une rumeur, mais l'information est fausse. Non, c'est comme si on disait un poison inoffensif. Poison, par définition, c'est un poison. Un bon poison, c'est un poison qui tue. C'est pas un poison qui fait du bien. Et un mauvais poison, c'est un poison qui ne remplit pas son rôle, donc qui ne tue pas. Donc la vraie bonne rumeur, c'est la rumeur qui va tuer et qui va développer de fausses informations ou qui va essayer de faire naître des doutes dans l'esprit des gens. Et ça, c'est la vraie bonne rumeur. Alors que la fausse rumeur, c'est une rumeur qui ne tient pas la route. C'est juste une... qui ne tient pas la route. Au niveau des rumeurs, mais ça, c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, d'ailleurs, dans IRM Detox, c'est la rumeur sur les vaccins. Donc ça, on peut appeler ça une rumeur. Oui, c'est une rumeur, mais c'est aussi des lobbies. Il y a des groupes... Vous savez, dès qu'il y a une idée qui naît, ou un produit qui naît, il se crée des groupements pour lutter contre et pour s'indigner. Et c'est comme ça que les associations existent. Indignez-vous, ça a été la plus grande escroquerie intellectuelle du siècle en matière de littérature. Parce que les gens font de l'indignation leur pain quotidien et leur fonds de commerce. Donc dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des gens qui créent une association pour dire il faut lutter contre ça. Ça leur permet d'exister. Mais en général, les associations, elles n'existent pas. Elles ne se créent pas parce qu'elles ont une idéologie. Elles se créent pour pouvoir faire la promotion d'elles-mêmes. C'est l'antithèse. Non, la promotion d'elle-même, simplement. Le président de l'association, il se fait inviter dans les émissions de télévision, il a des tribunes, voilà, il a créé une association pour exister. Parasite. Ouais. Arnaud, tu as un mot sur le mot... Sur le mot rumeur? Rumeur, j'allais dire, oui, rumeur, et après buzz. Je vais commencer par rumeur et j'enchaîne après sur le buzz, si tu veux. J'avais marqué dans un mot principal, sur le mot rumeur, un trouble. Un trouble dans la population, etc. Et puis... Pour provoquer un trouble, c'est voilà, ça exactement, provoquer un trouble. Et puis, quand je regardais Rumeur, j'ai vu que c'était le plus vieux média du monde, finalement. C'est ça. C'est vrai. En fait, la rumeur, c'est la voix de la rue. Or, la rue meurt. Et la rumeur répond à un certain besoin, une utilité sociale.
comme on en parle. Ouais, c'est bien, on a parlé de, comment il s'appelle, James Bond, là. Pierce Brosnan. Voilà, Pierce par exemple, là, vu c'est, que ce soit vrai ou, pas, ou faux, on s'en fout. Le but, c'est d'en parler et puis de discuter, en fait, là-dessus. Ça n'a pas de conséquences, en fait, à l'arrivée, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour dire, effectivement, qu'il y a une utilité sociale, en fait, au niveau de la rumeur. Mm. Voilà. C'est la conversation à la machine à café le lundi matin. Alors, t'as vu, il paraît que maintenant, ça permet de parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps, parce qu'on ne peut pas dire il paraît qu'il pleut s'il fait beau. Non, c'est sûr. On ne peut pas lancer une rumeur sur la météo, donc on lance une rumeur sur autre chose, histoire d'avoir une conversation. Quoi. Et... Donc, c'est une sorte de nourriture, alors on ne peut pas dire intellectuelle, mais on a donc besoin de ça, de rumeurs, de propager des rumeurs. Et en même temps, pour dire... Junk food intellectuel. Oui, voilà, junk food. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des détox. Ouais. Pour dire au niveau de la sémiologie, parce qu'on parle de rumeurs, on a parlé de intox, infox, fake news. Après, une fake news est une rumeur. Pas forcément. Pas forcément. Tu vois, à chaque fois, c'est à chaque fois au niveau de la sémiologie... quelquefois, ça dépend, parce qu'une fake news, c'est vraiment... il y a cette idée de manipulation derrière qu'on n'a pas forcément avec rumeur. Ouais, je pense que ce n'est pas le contenu qui change, c'est la méthode. La fake news va dire, voilà, il y a ça qui s'est passé. Et la rumeur, c'est plus sournois, et ça a été ça originellement. Ah, il paraîtrait, d'après ce que j'ai entendu, je me suis laissé dire qu'un tel aurait fait ceci, cela. Donc ça veut dire qu'on prend les précautions d'usage qui permettent de dire bah, je ne l'affirme pas, mais on sème, on instille le poison. Oui. Quoi. Ouais, ça sonne plus brumeux, le mot rumeur. Plus volatile, plus insidieux, plus sournois. C'est vrai. Alors que la fake news, c'est voilà, il y a ça qui s'est passé, mais ce n'est pas vrai. Selon moi. Maintenant, il faudrait regarder dans les dictionnaires, je ne sais pas qui a eu la curiosité de le faire, moi pas, qu'est-ce qui se dit. Et encore, quand je dis dans les dictionnaires, parce que je suis certain que les dictionnaires doivent, selon qu'ils sont ceci ou qu'ils sont cela, donner des définitions différentes. Ouais. Tout à fait. Une rumeur, une définition simple, ça serait un bruit, comme tu l'as dit, je crois, une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. Voilà. Donc une source incontrôlée. Donc la source est incontrôlée. Plutôt au niveau du peuple, je pense. Oui. Les rumeurs, c'est plutôt voilà, le langage de la rue. Ouais, alors que fake news, c'est très organisé. Moi, ça me fait penser à les on m'a dit au collège. C'est ça. Téléphone arabe. Il paraît que... Et après, ça crée de l'interaction, comme il a dit Richard. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il serait intéressant que nous nous livrions, que vous vous livriez dans cette émission, à une expérience qui consisterait à faire partir soit de vos pages Instagram ou autres, ou de l'émission, etc., sans une rumeur, alors qui de préférence ne nuise pas, pour ne pas faire du mal aux gens, et de voir quel chemin elle va prendre et comment elle va nous revenir. On peut tester. Ça serait intéressant de lancer. On va lancer des rumeurs et. On va passer pour des mythomanes. Non, mais le but du jeu, justement. Non, mais le but du jeu, dans la rumeur, me semble-t-il, c'est de cacher la source. Oui, c'est qu'on ça. Ne retrouve pas d'où ça vient, hein. C'est ce que tu disais, Andrea. C'est ça. C'est l'origine est trouble. L'origine est... Alors que la fake news, c'est une affirmation qui... Là, la rumeur, ce serait intéressant de voir comment on peut essayer de faire comme si on relayait quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre, sauf que ça partira de nous. Et là, ça sera une rumeur. Oui. C'est plus facile de lancer une rumeur que de créer une fake news. Hein. Ouais. Bon, on peut faire, c'est facile avec les photos aujourd'hui. Tu fais dire et tu fais voir n'importe quoi. Pareil mais aussi avec les vidéos, comme les deepfakes. Ouais, les deepfakes, ouais. Exactement. Ça, on pourra en parler tout mais à l'heure. C'est pas inhérent aux réseaux sociaux. Dans la presse écrite, depuis que la photographie existe, on a publié des photos pour illustrer des articles qui étaient des photos qui ne correspondaient pas ni à l'article, ni au pays, ni à la période qu'on citait dans l'article. Combien de fois on apprend et on découvre que telle photo qui illustre un fait divers ou quelque chose, une manifestation qui s'est produite en France l'année dernière, s'est en fait produite à Budapest il y a 5 ans. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrive très souvent. Et ça arrivait en presse écrite, on n'a pas attendu après Internet et les réseaux sociaux pour utiliser ces techniques. Moi, ça me fait penser à l'incendie qui s'est produit au Brésil
il n'y a pas très longtemps et que Emmanuel Macron avait fait un tweet avec une image, une photographie d'une forêt qui brûle. Et c'était pas ce qui correspondait à l'état actuel des forêts amazoniennes, quoi. Mmh. Et du coup, tout le monde avait dit que il n'avait pas vérifié avant de poster, etc. Alors ça, que c'est ce qu'on nous demande de faire, mais ça arrive un peu trop souvent. Ah oui. Alors, Arnaud, donc Buzz. On va passer rapidement dessus. Buzz et Bad Buzz, ça va ensemble. Près de la même chose. Bad Buzz, c'est le côté négatif du buzz. Oui, mais c'est pas la même signification quand même. Mais, ah, vraiment si, ce qui ne va pas changer par rapport à avant, c'est le buzz, c'est juste de la publicité ou du marketing. Mm-hmm. C'est pas du journalisme. Faire un buzz ou faire ce qu'on appelle le bruit médiatique. Voilà, là, c'est plus ça. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le journalisme. C'est très rare, en tout cas. Enfin, voilà. Pour un buzz, c'est faire parler de soi et faire en sorte que ça soit relayé et retweeté. Voilà, d'avoir un phénomène viral. Voilà. Ah oui, c'est un rapport toujours avec la viralité, c'est ce qu'on recherche avec le buzz. On a aussi une sorte de technique de communication, forcément. Et ce qui est bien dans les buzz, c'est souvent low cost. Bah oui, pour faire en sorte de toucher en fait la masse, l'avantage de ce buzz fait en sorte que c'est pour tout le monde et puis c'est low cost au niveau de l'argent, quoi. C'est surtout ça. Les bad buzz. Bad buzz, qu'est-ce que j'avais marqué ici? C'est l'effet boule de neige qui peut être très néfaste pour l'irréputation. Oui, exact. C'est ce qui s'est passé avec Fin Juge, je crois, et les Lazettes, par exemple. Ce qui est drôle, c'est que le mot buzz ne veut pas dire bonne réputation, mais bad buzz veut dire mauvaise réputation. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Là aussi, on a des glissements sémantiques qui sont assez étranges. On a un petit peu du mal à s'y retrouver. Bon, c'est pour ça qu'on a aussi décidé d'essayer de disséquer, on va dire, un petit peu chaque terme. Il y a un terme qu'on a déjà prononcé, sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes, c'est désinformation. C'est vrai qu'il est très beau, d'autant plus que désinformation a une connotation politique, en tout cas, selon certaines définitions. Et là, je vais citer le Robert, puisque c'est utiliser l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Ça pourrait ressembler à une fake news, mais ça n'en est pas. Ça va un petit peu plus loin, puisqu'on parlait aussi de propagande tout à l'heure. Donc là, pour le coup, la population n'a pas le droit, n'a pas le droit de propager. N'a pas accès ? Oui, voilà, n'a pas accès. Dans le sens où c'est le gouvernement, en fait, en quelque sorte, qui peut mentir, fausser, dénaturer ou cacher une information. Ça vient du pouvoir. Du pouvoir. D'accord. En tout cas, selon cette définition. C'est un définition, autre mot pour propagande. C'est vraiment désinformation. Ça comme sera un autre contre-vérité mot, est un autre mot pour mensonge. On a plus contrôle des esprits. C'est ça. Si tu veux, oui, donc c'est vraiment de la manipulation, pure et simple, manipulation de l'opinion publique. Oui, mais en même temps, souvent, les gens, la population, en général, est complètement ignorante de ces choses-là. Pas forcément, puisque je me dis qu'on est de plus en plus conscient aussi que le gouvernement nous ment, et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus, il y a toujours deux camps, même si je n'ai pas envie d'être manichéenne. Mais d'un côté, tu as ce gouvernement qui peut, lui, balancer, alors non pas des fake news, mais te cacher des choses. Et en même temps, il essaie de t'éduquer en te disant, voilà, certaines méthodes pour éviter de vous faire avoir ou de croire je de fausses informations. Je ne pense pas qu'ils sont venus pour l'éducation. De façon personnelle, au niveau des médias, je ne suis pas forcément sûr qu'ils ont envie véritablement faire de l'éducation. Mais tu sais, il y a tellement d'outils aujourd'hui, je t'assure, que pour moi, c'est de l'éducation. C'est éduquer les gens à avoir plus de sens critique, même si ça reste biaisé parce que ça vient du gouvernement. Ça s'est présenté justement comme une... Et du coup, ça donne de la désinformation. On nous fournit comme un service... Mais il y a un virus intégré dedans. On peut voir ça comme ça. En même temps, c'est pour ça que je dis de plus en plus, effectivement, et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose, mais c'est aussi une bonne chose. Ouais. Les gens se posent de plus en plus de questions. C'est vrai que ça peut poser problème, des fois c'est ridicule. Je repense encore une fois de plus à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est une désinformation? Parce que ça soulève beaucoup de questions.
On aura l'occasion d'en reparler, mais... La rumeur voudrait que ce soit... Voilà, il y a des rumeurs. Ça a été fomenté, que ce ne soit pas un accident. Un accident volontaire, un incendie volontaire. Voilà. Ouais. Bon, après, qui détermine C'est toujours pareil. Après, ça, c'est les premières têtes du public. Ça, c'est toujours pareil. Tu parlais de Tchernobyl, je crois, tout à l'heure, non? Là aussi, c'est... Là, on rejoint une autre notion, j'imagine, que vous avez prévu d'en parler, c'est la théorie du complot. Oui, on va arriver aussi. Bien sûr, on ne peut pas faire de la désintoxication, c'est ça, sans parler de théorie du complot. Récemment, à Rouen, l'usine de Lubrizol, on a dit à la population qu'il n'y avait pas d'inquiétude, qu'il n'y avait pas de risque pour la santé. Ça n'a pas empêché certains médias, notamment France 3 Région et beaucoup sur les réseaux sociaux. On a vu cette photo de gendarmes avec des masques à gaz. Donc, en même temps, ça me paraît normal que les gens se posent des questions par rapport à l'information officielle. Mmh. C'est ça, à force, on n'a plus confiance. Une personne, elle vous montre 3, 4, 5, 6 fois. Il y a une sorte de défiance. Au bout d'un moment, on devient frileux quand même. Mais alors, du coup, il y a peut-être des choses pour pouvoir se défendre par rapport à ça. Se défendre par rapport à... Par rapport à la désinformation. Ne pas fréquenter les médias qui cultivent la désinformation. C'est vrai. Mais il faut les trouver, ces médias. Une publicité que je trouve très, très amusante parce que ça ressemble à de l'autodérision. Mm-hmm. C'est cette publicité pour une compagnie d'assurance où vous avez la journaliste qui dit « Alors, il y a ça et ça qui se passe comme catastrophe. » Et le reporter dit « Oui, oui, et ça va très, très mal. » Et le mec dit « Non, parce qu'avec mon assurance... » L'autre dit « Mais non, c'est pas ça qu'on vous demande. Envoyez la pub. » Donc, c'est une caricature, mais c'est affolant de voir ça. Parce qu'il y a une compréhension du média. Les gens, ça les fait rire. Ça ne devrait pas les faire rire, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. On fait de l'audience sur de l'horrible, sur de la souffrance. C'est ça. Et ce n'est pas nécessairement l'information la plus intéressante, la plus importante. Avant, le rôle du journaliste, c'était de hiérarchiser l'information. C'était un terme très noble qui était utilisé par les professionnels. Aujourd'hui, la hiérarchie, c'est est-ce que je vais être dans le spectaculaire, l'atroce, de manière à pouvoir impressionner. C'est la culture de... Mais c'est du buzz, c'est vouloir faire le buzz, c'est... C'est la culture du sensationnel, du spectaculaire avant tout. Créer de l'impression. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un terme qu'on retrouve dans les statistiques d'Instagram. C'est le nombre d'impressions. Tout à fait. Et pas les followers ni les likes, c'est le nombre d'impressions qui compte et qui permet ensuite d'être bien référencé. C'est vrai, c'est très très vrai. Au final, la finalité des médias, c'est de vouloir rester dans les mémoires. La finalité des médias, c'est de vendre de la pub. Oui. Faire de l'argent. C'est de faire de l'argent et de gagner de l'audience. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui savent, entre guillemets. Je pensais que c'était l'éducation. Qui analysent que telle ou telle information va mobiliser les gens et qu'on va pouvoir donc faire plus d'audience avec cette information-là plutôt qu'avec une autre. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Sachez que, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque où j'avais étudié les choses et les médias de... On appelle all news, c'est-à-dire qui font que de l'information, n'existait pas encore comme aujourd'hui, il n'y en avait qu'un. Les deux journaux qui se faisaient la guerre, c'était le journal de TF1 et le journal de à l'époque Antenne 2. Et bien moi j'avais vu dans les régies de ces journaux-là, des gens qui étaient payés pour regarder le journal de la chaîne adverse, pour voir ce qui passait, de manière à pouvoir éventuellement repérer si on passait à côté de quelque chose qui risquait de capter le public, quoi. On en était là. Donc l'éthique du journaliste qui veut transmettre, qui veut informer la population, qui veut éclairer, qui est dans le partage des savoirs, etc., elle est vraiment loin c'est de tout incroyable. Ça. Bah non, mais même très, très peu de journalistes font réellement un travail d'investigation aujourd'hui. Ça, j'espère que les gens le savent. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'AFP qui distribue l'information. Quand c'est l'AFP, oui. Ça va. Mais c'est encore d'autres machines. Ah, déjà, je trouve ça dangereux. D'autres déversoirs. L'information est centralisée et semi-privatisée. Semi-privatisée. C'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve ça inquiétant. Mm-hmm. Et à l'Académie audiovisuelle, moi, il n'y a rien qui me rend plus furieux que de me rendre compte qu'on a été recopié une information. Et comme je dis toujours, il faut vérifier, contre-vérifier, sur-vérifier. C'est vrai, toujours. Trouver ses propres sources. Croiser ses sources. Voilà, c'est ça. Recouper. C'est vrai. Il y a, juste pour finir sur la désinformation, les techniques de désinformation, justement, puisque ça peut toujours servir, c'est la surinformation, on en parlait tout à l'heure, la diabolisation, la banalisation, les rumeurs et le manichéisme, justement. Donc toujours d'un côté les bons et de l'autre les méchants. On peut dire aussi quand même qu'avoir une abondance d'informations,
c'est quand même mieux que de rien avoir. Ah, c'est sûr. Ça donne le choix. Après, il faut faire le tri. Après, il faut savoir faire le tri. Il y a un dernier terme, tu l'as évoqué tout à l'heure, je crois, Arnaud, c'est aux. Donc, aux, c'est un canular, c'est une information qui est vraiment fausse. Le point central, c'est plutôt le côté piratage. Piratage informatique ? Ouais. Puisque c'est un terme informatique, certes, mais après, ça s'est étendu. Ça s'est étendu à tout ce qui est information fausse propagée par Internet et qui est invérifiable. Oui, alors c'est le mot le plus difficile en fait à comprendre. Parce que ce mot-là, hoax, c'est pas la première fois, je l'avais entendu il y a 6-7 mois avec toi. Mais c'est très difficile de dire, mais qu'est-ce que c'est en fait derrière ? Moi, le premier truc hoax, quand j'ai regardé la définition, c'est quand tu es sur Internet, tu parles, tu regardes, tu changes de page, puis paf, t'as plus du tout le truc qu'on t'a demandé. T'as un truc, bienvenue, vous êtes c'est free, vous cliquez le truc, etc. Et puis ta pub, ta page, tu peux pas la changer. C'est free, vous avez un truc gratuit, vous avez gagné le dernier un Samsung, voilà, exactement. Ah oui, ça, c'est les pop-up, les fenêtres bloquantes, tu peux plus revenir en arrière. Quelle est la différence entre un pop-up et un hoax, par exemple? Ah ben voilà, tu vois. Voilà, moi j'ai compris à ça, quoi. Je pense que tu as pensé aux alertes virus, mais ouais. Ça, c'est un hoax, en fait. Donc c'est un hoax, on est d'accord. C'est pas la même chose. Ça rentre un petit peu dans ce cadre, mais ça peut être aussi n'importe quel message qui sert à alarmer les gens. C'est ça, en fait, un hoax, ça veut créer l'inquiétude. Un virus, une sorte de virus. Oui, et pas forcément un virus. Ça peut vraiment être une information. Tu peux recevoir un message dans ta boîte mail ou sur Facebook qui te demande de partager une information. Alors qu'elle est véritablement fausse, mais c'est juste pour alarmer ou créer l'inquiétude chez les gens. Mais j'ai jamais eu ça, par exemple. Tant mieux. Quand est-ce qu'on reçoit des hoax? Votre compte a été piraté, des choses comme ça, non? Appeler le machin pour débloquer. Je ne sais pas si on peut. Peut-être dans le cadre informatique. Est-ce qu'un hoax a des aspects positifs? Non, je ne pense pas. Parce que c'est vraiment pour créer justement l'inquiétude, pour faire peur aux gens. Donc non, il n'y a vraiment pas de... Oui, la plupart des messages de ce type provoquent une émotion. C'est ça. La peine, la compassion, la révolte ou la pitié. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà l'intérêt en fait du hoax. D'embêter le monde en fait. Te faire perdre ton temps, ce qui est très vrai. Non, mais il y a un phénomène qui aujourd'hui est venu fausser le jeu. C'est le phénomène des likes. Parce que les gens vont émettre des informations uniquement pour récolter des likes. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour se faire aimer. Il n'y a aucune rentabilité particulière, si ce n'est que parfois certains veulent devenir des influenceurs, s'ils ont plein de gens qui les suivent, etc. Et ils se satisfont d'avoir des likes. Et on va lancer des choses étonnantes, fausses, etc. Pour avoir des likes. Mais oui. Ouais, faire le buzz. On en revient. Le type qui dit t'as passé des bonnes vacances et l'autre répond je sais pas, j'ai pas encore mis mes photos sur Instagram. Donc une fois que j'aurai des likes sur mes photos, je saurai si j'ai passé des bonnes vacances ou pas. Tu vas un peu loin, mais comme ça. Non mais attendez. C'est vrai. La grande question, c'est la question de la place des médias dans la société. Les médias étaient censés être le reflet de la société. Et aujourd'hui, la société devient le reflet des médias. Puisqu'on fait ce qu'on a vu, c'est ce qui est sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui donne le ton. Oui, etc. Les médias s'adaptent. Les médias cessent d'être le reflet de la société. La société commence à se conformer. Il y a une forme de conformisme comme ça, de suivisme intégral. La preuve, c'est qu'on appelle ça des followers. Oui. Donc, on appelle les choses par leur nom, finalement. J'aurais une question, mais qui a commencé? Est-ce que c'est vraiment les gens ou est-ce que ce sont les médias qui ont commencé à abaisser un petit peu le niveau, à créer cette hyper compétitivité dans la... À partir du moment où il y a eu la télévision commerciale, où il a fallu vendre de la publicité, ce sont les médias. D'accord. Voilà. Les médias ont compris comment ils pouvaient faire du chiffre d'affaires. Mmh. Et on fait un débat où il faut se battre parce que le public aime le fight. Et regardez, on parlait de Zemmour tout à l'heure. Pourquoi Zemmour a du succès? Parce que les Français adorent haïr. Les clashs. Ils adorent haïr. Ouais, donc, moi, j'avais fait une chronique là-dessus sur RFI en disant, mais foutez-lui la paix. Si vous voulez plus le voir, arrêtez de le haïr. Et vous verrez, lui, il se nourrit de la haine des gens au sens propre et au sens figuré. Il en fait son fonds de commerce, il gagne sa vie avec ça. Vous voulez arrêter de le voir, arrêtez de le haïr. Et les chaînes vont plus lui demander de venir parce qu'ils ne feront plus d'argent avec lui. Bah, le boycott.
Oui, on peut. C'est le principe du match de foot. Hein. Les gens aiment c'est un peu la victoire par procuration. C'est les jeux du cirque. Ils ont une vie de, un peu. Ce sont les jeux du cirque. Ouais, c'est ça, du cirque remis au goût du jour. Du pain et des jeux. Personnellement, je pense que c'est les médias qui ont commencé un petit peu à comprendre les mécanismes humains. C'est ça. Mais quand c'était les jeux du cirque, il n'y avait pas de médias. Autant de la Rome antique. Autant des gladiateurs. C'était la reine. C'était le pouvoir. C'était le pouvoir. Exactement. Ah oui, tout à fait. C'était, il fallait distraire les gens, leur donner du pain, du vin. Ah, jeter des miches de pain dans le public. On a vu une partie des notions qui nous intéressent, et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais pour autant, donc c'est vrai qu'on a, enfin, en tout cas, on a beaucoup évoqué les outils et l'éducation. Jérôme, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que on dispose de suffisamment d'armes pour comprendre? Parce que justement, on parle d'éducation. Donc, je me dis, est-ce que ça sous-entend qu'on n'est pas suffisamment armé? On n'est pas suffisamment armé, ça c'est sûr. tout le monde a un peu l'impression qu'il est en train de couler. Je pense que oui, on a les armes. Face à la désinformation, il n'est pas interdit de s'informer. On a encore la chance de pouvoir aller s'informer. Qui le fait réellement? Très peu de gens. Mais on a les outils, on a la chance, on a toujours le choix encore. Mm-hmm. On a des fake news qui tombent, etc. Mais pas tout le temps, mais souvent, on peut, l'individu lambda, grâce à Internet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, grâce à Internet, l'individu lambda peut lui-même faire un travail d'investigation. Mm-hmm. On peut se connecter dans un autre pays, aller sur des forums, des gens qui ont assisté à une scène, etc. Bon, c'est un boulot. Hein. Ouais. C'est du travail, il faut le faire. C'est très intéressant ce que dit Jérôme, parce que celui qui cherche va trouver. Celui qui ne se contente pas de ce qu'on lui déverse sur la tête ou dans les oreilles ou dans les yeux, va trouver, alors peut-être pas la vérité, mais une autre vérité. Et on a les outils pour ça. Ce qu'on n'a pas, c'est la mentalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez curieux. On est curieux pour se plaindre, mais on n'est pas curieux pour trouver. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils qu'avant, mais beaucoup moins de motivation. Parce que les gens d'avant avaient beaucoup moins d'outils, mais ils avaient beaucoup plus de motivation. C'est confortable. C'est confortable d'ingurgiter, de boire la mauvaise nouvelle. La soupe. Complètement. Et est-ce que tu peux justement donner des pistes pour que les gens puissent apprendre à analyser? Des pistes, c'est des mécanismes. Moi, c'est des mécanismes que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Toujours se demander, quand on entend une histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un un intérêt dedans? N'importe l'histoire, même ça profite. Ce soit même des gens qui ne sont pas politisés, même dans la rue, c'est des mécanismes humains. Quelqu'un, il va te raconter une histoire, il y a plus ou moins envie. On a envie de l'enjoliver, on va pas forcément avec malveillance, mais après, plus on monte dans les sphères de la finance, etc., plus il y a une hyper-compétitivité, plus il y a des enjeux, et plus on a intérêt à faire de l'ingénierie sociale. On n'a pas abordé ce terme. Pas encore, c'est vrai. On le fera peut-être une autre fois. Bientôt. Mais l'ingénierie sociale, voilà, c'est tous les mécanismes qui permettent d'articuler le fait social. Gérer une population socialement, créer des actions, réactions, etc. C'est très très vieux, mais c'est vraiment une science aujourd'hui qui est très très élaborée, si je puis dire. Et donc oui, on a tout un tas de possibilités pour se défendre un petit peu de tout ça. Toujours garder un esprit critique, se débarrasser du mimétisme. Souvent, c'est plus facile de suivre la foule que de suivre le nombre de likes. Si on entend 1000 fois. Je ne sais plus qui avait dit un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité. Oui. Voilà. Donc les gens, ils ont une sorte de naïveté quand on entend quelque chose vu à la télé ou machin, on va faire confiance. Les gens, ils ont confiance à la télé aussi. C'est ça. Ouais. Vous voyez, il y a même le label maintenant sur les produits télé-shopping. Vu à la télé. Vu à la télé. C'est dramatique. Ça commence à partir parce que ça fait quand même bien rigoler. C'est ridicule. C'est ridicule. On est vraiment au fond, dans les méandres du commerce. Donc voilà, toujours garder un esprit critique, se poser les questions, est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche à être conforme à la bien-pensance, etc. Bon, et puis voilà, c'est un truc... Conforme à la bien-pensance, ça. Ouais. Là, j'ai soulevé... Oui. La bien-pensance, la norme, l'idéologie dominante... Il y a une idéologie dominante, etc. Toujours. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Allez. Il faut, puisque vous parlez de doxa. Arnaud. Ouais, Comment moi je vois Jérôme. La doxa surtout
c'est grosso modo la norme, je dirais. La norme, en fait, de ce que pensent les gens en général, de penser une pensée une unique. Idée, une sorte de pensée unique, oui, effectivement, une idéologie dominante. Ouais, c'est une volonté là-dessus. D'uniformiser un courant de pensée, par exemple. Alors, c'est pour ça que quand on est contre cette pensée, on va dire, à partir normée. Du moment où tu sors de la doxa, à ce moment-là, tu es marginalisé, effectivement. Voilà. Tu es complotiste même. Ou alors, il faut à ce moment-là avoir des arguments. Mm-hmm. Il faut maîtriser ses sujets. Mm-hmm. Entre guillemets. Et je pense que c'est de ça que les gens ont peur, des répercussions, en fait. De sentir différent, de sortir du lot, de le sentir rejet. Rejeté, voilà, exactement. Richard, tu voulais dire quelque chose à un moment? Non, on a changé de sujet depuis. C'était pour parler de la vérité. Chercher la vérité, c'est intéressant. Mm-hmm. Et proclamer qu'on l'a trouvée, c'est nuisible. Mm-hmm. C'est vrai. C'est à nous de chercher la vérité, notre vérité. Il y a un autre terme très important ici. Celui-là, le plus beau, vas-y. il est beau, parce qu'il y en a trois. Il est beau, c'est le plus beau. Apparemment, pour toi, c'est le plus beau terme. J'ai peur. Ouvrez grand vos oreilles. Tu sais déjà de quel mot on va parler. Parce qu'il y avait le fake news, déjà. On a réussi à le traiter, donc c'est bon. Mais il y a le meilleur, vas-y. Le meilleur pour la fin. Théorie du complot. Voilà, théorie du complot. C'est ce que j'aime. Conspiration et conspirationniste. Voilà, pour moi, c'était à peu près la... Ces trois mots, c'est la même chose. Ça va ensemble. Alors, rapidement, dans le Larousse, une théorie, je suis sur théorie, hein, pas théorie du complot, pour qu'on comprenne bien. Une théorie, alors il existe déjà deux types de théories. Des principes, des règles, des lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits. Exemple, la théorie de la relativité. Idée, concept, se rapportant à un domaine déterminé, par exemple, une théorie littéraire. Et... c'est aussi un système d'hypothèses sous-tendant les interprétations des événements. Mmh. Et je pense que théorie du complot, ça rentre vraiment dans cette deuxième notion. Et, d'hypothèse. Ou d'hypothèse, tout à fait. Alors, clairement, une théorie, ce terme, théorie du complot, serait apparu dans un article du Monde le 7 octobre 1966 pour évoquer l'assassinat de JFK, qui est considéré comme un... complot. Théorie ou complot. À voir, théorie ou complot. Alors, ou conspiration. Ou conspiration, ce sont des néologismes effectivement qui vont avec théorie du complot, conspirationnisme, complotisme, proposent de donner une vision de l'histoire perçue comme le produit de l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre. Oui, loin de la simple rumeur, c'est vrai, loin de la simple rumeur. Il s'agit, alors selon Peter Knight de l'Université de Manchester, d'un récit théorique qui se prétend cohérent et cherche à démontrer l'existence d'un complot entendu comme le fait qu'un petit groupe de gens puissants se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. N'est-ce pas ? Donc, voilà. La conspiration secrète, civile, criminelle ou politique visée par la théorie du complot agirait généralement dans l'objectif de détenir ou conserver une forme absolue de pouvoir, politique, économique ou religieux. C'est ça ? Oui. Apparemment. Bon, ça, c'est la définition. Oui, mais alors, pour confirmer tout ce que tu dis pareil, se poser des questions. Mm-hmm. Tu as utilisé effectivement théorie du complot et tout de suite à côté le mot groupe occulte. Et donc. Non, ce n'est pas moi. Oui, non, mais dans la définition. Et à partir du moment où toi tu reçois l'information de dire ah, c'est un groupe occulte, vaut mieux pas s'en occuper. Parce que là, à ce moment-là, effectivement, c'est là où il y a les débordements qui arrivent. Alors, moi, ça me pose problème, cette définition, ceci dit. Oui. Ça veut dire quelque part que. Quand on est complotiste, c'est finalement, c'est quoi exactement ? On peut quand même soulever des questions, se poser des questions par rapport à des événements, des attentats, etc. On peut émettre des hypothèses où surtout effectivement... Pas. Surtout pas. Est-ce que dans le monde des mainstream, est-ce qu'on a le droit de parler des groupes occultes ? Est-ce que dans les mainstream, vraiment, est-ce qu'on parle de groupes occultes ? Pourquoi c'est occulté, comment d'ailleurs ils en parlent. C'est occulté. C'est complètement mais occulté. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que tout de suite, théorie du complot, ça veut dire qu'on est persuadé qu'il y a des groupes occultes derrière. Ben, on a parlé de JFK. On a parlé de JFK. On ne peut pas juste remettre en question certains événements et se poser juste des questions par rapport aux informations. Il y a un grand complot qui consiste à faire croire qu'il y a des complotistes. Hein.
C'est... c'est possible aussi. Attendez, bah, tout le temps. Tout le temps. Quand vous avez un groupement de personnes qui veut nier une réalité, on va dire qu'il y a eu un complot. Oui. C'est ça la théorie du complot, c'est aussi de se défendre de ça. Combien de fois vous avez des gens qui sont accusés de telle ou telle chose et qui disent « Ah ben, je suis victime d'un complot ». Il faut reprendre la définition voilà. de complot, la définition exacte d'un complot. Ouais. Il y a une malveillance forcément dans la notion de complot. Il y a une malveillance contre l'intérêt commun, la définition de complot. C'est vraiment contre l'intérêt commun. Association occulte de personnes en vue d'œuvrer contre l'intérêt commun. Voilà, c'est ça. Contre l'intérêt de quelqu'un, ou l'intérêt commun, ou l'intérêt de quelqu'un. Je crois que c'est plutôt contre l'intérêt commun. Quand on monte un complot contre quelqu'un, regardez, on a dit que Strauss-Kahn, on avait fait un complot. Alors, on sait pas. Moi, ça m'intéresse pas de rentrer dans le débat. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on a parlé des choses. Mm-hmm. On a quelques-uns ont dit que c'était un complot, et le complot, c'était contre une personne, parce qu'il avait les ambitions politiques, etc. Qui incarne un groupe, voilà. Quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont comploté pour qu'on fasse croire qu'il y a eu un complot contre Strauss-Kahn? Non, mais... Ouais, ça peut aller long. La manipulation, elle est voilà, c'est comme le bluff au poker, quoi. Au bout d'un moment, il faut des faits. Voilà, c'est vrai qu'il faut des faits, il faut des preuves. Alors, pour ce qui est des complots, alors, il y en a certains qui sont considérés comme la Révolution française serait un complot. Il y a des mots que même moi, je ne vais même pas oser prononcer. Comme Non, je ne vais même pas oser les prononcer. Mais Arnaud... Tu les occultes? Je les occulte. On monte un complot contre les mots. Je m'auto-censure. Les ovnis, ce sont des complots... le programme Apollo, l'attentat du 11 septembre 2001, exact. Tout ça, ce sont des complots. Oui, mais enfin là, on a un vrai complot. Le 11 septembre, on a quand même un vrai complot. Là, tu as des preuves. Comme ça. Bah, il y a quand même des preuves. les médias englobent tout ça dans la théorie du complot. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias englobent toujours, peu importe le sujet, ah oui, mais c'est de la théorie du complot. Il y a des complots, il n'y avait pas forcément un seul complot. Les médias utilisent l'expression théorie du complot pour dénommer le fait qu'on invente le fait qu'il y a eu un complot alors qu'il n'y en a pas. Faut-il prouver qu'il n'y en a pas? Voilà, non mais... Après, non, mais oui. C'est comme ça que les médias disent la théorie du complot, ça veut dire... Ils veulent discréditer la notion de complot. La théorie du complot, c'est on veut nous faire croire qu'il y a un complot alors qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est comme ça que les médias dénomment la théorie du complot. Pour eux, c'est ce sens-là que ça prend. Alors maintenant, ça nous amène à utiliser un autre mot, à aller chercher dans ce qui est le négationnisme. Aussi, oui. Est-ce qu'il y a un complot négationniste qui veut faire croire que les choses qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu? Et que ce soit pour l'attentat du 11 septembre, que ce soit pour les gens qui finissent par dire que c'est pas vrai, parce qu'on n'a pas vu l'avion à l'intérieur. Exactement. Ou que les architectes nient qu'un avion pourrait faire écrouler les tours. Voilà. Je pose ça comme ça. Voilà. Tout ça, c'est des théories de complot. Donc, après, c'est très facile d'inventer quelque chose. Ça a eu lieu, ça a pas eu lieu. On sait, les gens qui font ça, c'est pour se faire du fric. Au bout d'un moment, il faut poser des expériences scientifiques, validées, grand public, on pose tout sur la table. Et là, tout le monde verra s'il y a... Oui, mais dans un débat à la télévision, c'est celui qui est le plus convaincant qui arrive à convaincre. Oui. Et qui est le plus persuasif qui arrive à convaincre. Et l'erreur, c'est ça. C'est la différence qu'il y a entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est des arguments. Persuader, c'est on travaille sur la sensibilité des gens. Et malheureusement, c'est celui qui est le plus persuasif dans les médias qui arrive à convaincre, alors que ça devrait être celui qui est le plus convaincant. Mais souvent, les débats ne sont même pas posés sur la table. Non. Sur tout ce qui est théorie du complot. Les vraies idées. On a jamais eu un débat sur le 11 septembre ou des choses comme ça. Il n'y a même pas Et dans les débats politiques, c'est celui qui ment ou qui se trompe d'une façon la plus affirmée, qui gagne. On a eu le cas à l'époque Sarkozy et Ségolène Royal sur l'histoire des EPR. Ils n'étaient pas d'accord sur le chiffre des EPR. Ouais. Et tout le monde a dit c'est Sarkozy qui dit la vérité, elle se trompe. À la fin, le lendemain, la presse a révélé qu'ils se trompaient tous les deux et que les chiffres émis par l'un et par l'autre n'étaient pas les bons. Mais c'était trop tard, c'était Sarkozy qui avait gagné le débat. Ouais. Donc l'important, c'est pas la vérité, c'est l'effet qu'on produit. Oui, mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des débats qui ne sont même pas posés, donc il y a une forme de censure. Arnaud, à propos de censure, il paraîtrait qu'il y a des choses qui ont été
ont été censurées, non, peut-être. C'est le sujet après que j'allais faire. Tout à fait, mais parce que je regarde l'heure aussi. Donc, d'accord. Alors, je voulais juste terminer, en fait, surtout sur le théorie du complot. La question que j'ai vue quand j'ai préparé l'émission, est-ce que celui qui fait partie de la théorie du complot, qui y croit, est-ce qu'il fait partie de l'idéologie réactionnaire? Est-ce que les progressistes aiment faire partie en fait de la théorie du complot? Voilà, ça c'est la première question en fait que moi j'avais. Et puis il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, une expression, le complexe militaro-industriel. Richard l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On en parle très peu, mais en même temps c'est très difficile en pouvoir de pouvoir en parler, puisque en général si c'est un complexe militaro-industriel, c'est tellement étouffé, ça ne peut être que étouffé. Tellement de puissance derrière, tout doit être étouffé quand on tend quelque chose de militaro-industriel. C'est au-dessus de l'État, c'est tout en haut de la pyramide, donc forcément c'est des choses auxquelles nous, les petits, on ne peut pas avoir les infos. On ne peut pas avoir les informations, donc c'est... Voilà. D'où l'utilisation de la désinformation. Justement, c'est qu'il soit invisible ou furtif. C'est ça qui fait toute la force d'un complot. C'est qu'il il ne soit pas apparent, que les gens trompés ne se rendent pas compte qu'ils sont trompés. Quoi. C'est ça tout l'intérêt de... Donc voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Et... il faut aller les chercher. Alors, Il paraît que, effectivement, tu m'as proposé quelque chose qui est intéressant. C'est une rubrique qu'on appellera... Il paraît que. Oui. Cette fois-ci, je me suis occupé de cinq questions. Mm-hmm. Cinq questions sur la thématique de la censure. Et puis faire une différence entre ce qu'est la censure positive et la censure classique. Et est-ce que c'est un rapport avec la censure ou pas? Donc, déjà, qu'est-ce que la censure? En général, c'est un détenteur d'un pouvoir, que ce soit étatique ou religieux. Une forme de pression, en particulier une forme de censure économique, souvent, due notamment à la concentration des médias. On a effectivement ce genre de choses en France. Les phénomènes d'autocensure peuvent également être ajoutés. Je prends par exemple une censure positive. La censure positive, avoir les interdictions des moins de 18 ans, par exemple, c'est quelque chose d'une censure positive. Alors, qu'est-ce que j'ai vu sur Internet, puisque tu m'as dit... Quelles sont les notions interdites dans le monde des médias? Exactement. Hein, voilà. Avons-nous des notions interdites? Donc, vous allez pouvoir en parler, puisque quand j'ai regardé sur Internet, il paraît que la liberté d'expression est un leurre, car les médias sont soumis à des intérêts financiers qui font que les grands médias sont souvent détenus par des compagnies privées. C'est vrai. Les journalistes ont parfois tendance à ne pas écrire un article pouvant nuire aux intérêts des actionnaires, développer une tendance à délivrer des points de vue complaisants sur ses actionnaires. D'où l'idée de se poser la question, mais quelle est la qualité journalistique des médias français? On peut prendre un exemple, la relation entre Bouygues et TF1, par exemple. Oui. Voilà. Donc ça, après, quel est votre avis et quel est votre positionnement vis-à-vis de ça? Ça, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Déjà, faut comprendre déjà que le journaliste ne travaille pas pour le peuple. Le journaliste, en premier lieu, il travaille pour son patron. D'accord, voilà, c'est pas le peuple qui paye le journaliste. Enfin, oui, ce sont les directives. En premier lieu, le journaliste, il c'est son travail. Il tient à son travail. Il n'a pas envie de le perdre. Donc, il travaille en premier lieu pour son patron. Qui est son patron? Une personne physique. On est là-dessus. Forcément politisé. Il y a une censure. Oui. Même les journalistes s'auto-censurent. Mais quelque part. Voilà, c'est du bon sens, en fait. C'est pas un complot. Là, c'est des mécanismes humains. C'est de la survie, un petit peu. mais ce que les gens, quand ils regardent leur télé ou lisent leur journal, ne l'intègrent pas forcément avant d'analyser l'information qu'on leur délivre. Voilà, je pense que, je sais pas si c'est ça... Non, oui, c'était, complètement. C'était bien. Là, c'était exactement. De pouvoir en parler par rapport à ça. Tout ce qui était censure et... les cinq les plus intéressants, en fait, là-dessus. On commence par là. Ensuite, le deuxième, il paraît que. Il paraît que les journalistes sont considérés comme une classe bourgeoise, et donc des personnes qui s'intéressent qu'à sa propre intérêt de classe, qui fait que, concernant la question sociale, le journaliste ne sait pas traiter ce qu'est le sous-prolétariat ou prolétariat correctement. On prend un exemple, les gilets jaunes. On est tout au début... on a ce qu'est la lutte des classes tout au début.
Et puis, ben, on est arrivé avec n'importe quoi, par exemple. Voilà, c'est devenu un peu n'importe quoi. Voilà, alors, j'ai un autre, du coup, il paraît que, puisque tu as soulevé les gilets jaunes, oui. C'est peut-être une rumeur ou pas, au niveau des médias et des journalistes, alors il paraît que le gouvernement d'Emmanuel Macron interdit en tout cas à certains médias de parler des gilets jaunes, de couvrir, sinon on arrête les subventions. Et est-ce que tu as des noms, surtout de médias? Je n'ai pas de noms. Non. Bah, moi, je peux illustrer. Je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté politique d'interdire, mais en tout cas, dans les faits, de moins couvrir. Choses de visu, que moi, je me suis promené dans Paris, etc. Je vois des gros mouvements, et à la télé, on ne dit rien. Oui, c'est vrai voilà. aussi, ça. Ça c'est, je ne sais pas qui en est l'initiateur, mais ça, c'est une constatation factuelle. Un troisième? Oui, allons-y. Alors, cette fois-ci, c'est plus pour Richard. Très bien. Je voudrais qu'il ait intervenir là-dessus. Il paraît que les grands patrons médias français sont glottophobes, pardon. Je continue. Moins ou plus que la population française? Et pourquoi y a-t-il une disparité entre ce que pensent les mainstream en général et la population? Ah ouais, bah ça c'est plusieurs questions. Hein. Voilà. Oui. Alors, la glottophobie, c'est une maladie qui a infesté. Oui, infecter même la pensée dans les médias. Explique ce qu'est déjà alors la glottophobie. C'est la phobie, c'est pas la crainte, c'est le fait de ne pas aimer les accents, et les langues, les voix étrangères, les accents. Bon, là il y a deux poids deux mesures, il y a le nord et le sud. C'est-à-dire que les accents américains ou sud-américains, le sud-américain, ça va bien, mais dès que ça vient du Maghreb ou de l'Afrique, on n'aime pas les accents. Mais quand tu as l'accent russe ou que tu as l'accent américain, c'est plutôt mignon. Ou italien. Ça va plutôt plaire. Il y a des accents comme ça qu'on n'aime pas. Quand on a l'accent du Midi, heureusement que Apathy fait carrière, parce qu'on était confinés dans les médias à parler de la météo ou à faire du commentaire sportif. Donc alors, est-ce que c'est de la glottophobie? Alors après, les médias et les patrons se réfugient en disant, vous savez, le public, il ne va pas suivre, le public, ça va le déranger, etc. Mais le public, comme on a passé une heure à le dire, finalement, il boit ce qu'on lui donne à boire. Donc, si on veut éduquer le public, on peut aussi l'habituer à écouter la langue française prononcée avec divers accents. Et je peux vous dire que nous, ici, par rapport à la population même française qui habite dans d'autres régions, nous avons un sacré accent. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. C'est comme quand on trimballe son odeur, on a l'impression de ne pas puer, quoi. On pue pour les autres. Il en est de la glottophobie comme du reste. Donc oui, c'est vrai que pour répondre à ta question par oui ou par non, c'est vrai que les grands patrons des grands médias ont tendance à être glottophobes. C'était quoi l'autre question? Est-ce que c'est plus que la population française? Forcément. Oui, forcément plus, oui. Et pourquoi Il y a une intention marketing. Voilà. Et pourquoi il y a une disparité entre ce que pensent les mainstream et ce qu'il y a au niveau de la population? Par exemple, le journaliste, en général, on a souvent quelque chose de progressiste. Par contre, au niveau de la population, est-ce que la population est progressiste? Je ne le crois pas. Pas tous les journalistes sont progressistes. Hein. Moi, je passe mon temps à voir et à entendre des journalistes qui ne sont pas nécessairement progressistes. Et puis alors, progressiste, c'est même un mot camion, tu vois, parce que tu peux mettre ce que tu veux dedans, quoi. C'est vrai. Voilà, on est tous, on se dit progressiste et les progressistes sont les rétrogrades des autres, donc. J'en ai deux. C'est tout. C'est ton droit le plus strict. Il nous reste 7 minutes. On va essayer de provoquer un petit peu. Il paraît que le pacte judéo-maçonnique dit apatride levantin a frappé, frappe ou frappera encore. Que pensez-vous de la plainte contre Google de certaines associations de supprimer la possibilité automatique de mots sur Google Suggest. Alors, pardon. Quel mot, par exemple? C'est vrai. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près moins de 10 ans, ça doit être en 2012, il y a eu des associations antiracistes qui sont arrivées sur Google pour dire notamment le mot juif,
où il y avait une association automatique avec certains artistes. Je ne sais pas, vous prenez Arthur, par exemple. Tout de suite, il y avait une connotation. Tu sais, quand tu fais la recherche Google... Les auto-suggestions. Hop, y a, voilà, les suggestions. Voilà, ces suggestions, il arrive, on a marqué Arthur et a marqué automatiquement juif. T'en as d'autres, etc. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des algorithmes qui ont été changés à ce moment-là, juste à cause de ça. Pour mais ça ne se fasse pas. Voilà. Donc, en même temps, vrai, où est l'intérêt de faire ce genre de recherche, Arthur, enfin, j'ai envie de dire, Arthur, on s'en fout autre, qu'il soit juif, à la rigueur. Ça peut être intéressant. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui est dit là, alors je ne sais pas si ça tient aux algorithmes ou autre chose, est-ce que notre identité, c'est notre religion, notre couleur de peau, notre origine, et notre accent, etc. Est-ce que c'est notre identité? Est-ce que ça intéresse qui? Arthur ne fait pas mystère du fait qu'il est juif. Et ça intéresse personne. Alors, si ce n'est ceux que Arthur dérange et qui vont trouver ça pour prétexte, mais on pourrait dire aussi la même chose des bruns, des chauves. Voilà, je ne vois pas où est l'intérêt. Alors, en fait. C'est pas forcément négatif. Il n'y a pas de négatif. Non, c'est pas négatif, mais je ne vois même pas où est l'intérêt. L'intérêt, c'est ça. C'est que si ça arrive à l'époque, après, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais à l'époque, si on arrivait, par exemple, donc je prends encore le cas Arthur. Si on arrivait à Arthur et marqué juif à côté, c'est que ça intéresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais marqué Arthur juif. Il y aurait marqué autre chose. Les gens auraient choisi autre chose. À ce moment-là, dans le Google, enfin, le recherche, on arrive avec Arthur juif. Mm-hmm. C'est tout. Et il y avait des cas comme ça, il y en avait beaucoup. Ce qui signifie qu'il y a eu une masse de recherches. Les gens s'intéressent à ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrivée, grâce, enfin, ou à cause des associations, paf, on va faire une censure en fait là-dessus. Il y a eu un exemple parce que le cas a déjà été fait avant le mot juif, notamment le mot société qui était mis avec le mot arnaque. Et là, à ce moment-là, Google, mais ça remonte tout au début. Hein. Le mot arnaque a été supprimé. Alors ça, cette forme de censure est exagérée. Autant, je trouve que accoler le mot juif au nom d'une personnalité, effectivement, je pense qu'on peut s'en passer, même si ça intéresse des gens, mais on n'est pas obligé de l'avoir en autosuggestion. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Après, société arnaque, non, je ne vois pas pourquoi on pourrait censurer ces deux associations de mots. C'est-à-dire que c'est la stupidité qui répond à la stupidité. Dire qu'une société, c'est forcément de l'arnaque, c'est complètement crétin. Et interdire d'associer ces deux mots-là, c'est tout aussi crétin. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on vit dans la surenchère du crétinisme. Oui, on peut dire ça. Le dernier, alors, il paraît que le mot ethno-racial est une expression plus que douteuse et... Pourquoi il est impossible de débattre de l'inégalité des races en France? Encore une fois, c'est pas ce que je pense, c'est juste ce que j'ai pu trouver en fait sur Internet. C'est un sujet qu'on pourrait aborder dans une émission, parce que là, je pense que en 3 minutes, oui, ça va être très juste. Mais il y a des notions interdites comme le mot race, effectivement, c'est oui, ça. Mais est-ce que discuter de l'inégalité des races, est-ce que c'est discuter du fait que des gens considèrent que les races sont inégales, ou c'est discuter du fait que les races ne soient pas égales. Est-ce qu'on discute sur la thématique, ou sur la polémique, ou sur les différentes dialectiques qui sont développées autour d'un thème, ou est-ce qu'on discute du thème? Aujourd'hui en France, on confond la dialectique sur un thème avec le thème lui-même. Et c'est de là que viennent beaucoup de confusions. Eh bien, tu as répondu parfaitement, en fait. Il paraît que. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est parfait. Voilà, je te laisse, Andrea. Oui, alors, effectivement, il est 21h28. Donc, on va bientôt se quitter. On n'a pas vu le fact-checking. Ah oui, le fact-checking. Cette notion de fact-checking, donc fact en anglais, ce sont les faits. Et le check-checking, c'est vérifier. Et une fois de plus, on l'a souvent répété, on a de plus en plus d'outils qui sont proposés par les médias, notamment, qui font leur apparition pour lutter donc contre les rumeurs, les hoax, les fausses informations, les fake news sur le web et les réseaux sociaux. Alors, il y en a un, pour ceux que ça intéresse, il y a une extension qui s'appelle Décodex. C'est une extension Chrome que vous pouvez installer. Et quand vous surfez sur le web, si un site vous paraît
fellation, on va dire, ou si il propage de fausses informations, vous pouvez hop, cliquer sur Décodex. Non, en fait, c'est Décodex qui va en quelque sorte scanner le site et vous dire si, si le site est bon, voilà, est validé. Non, mais s'il est fiable, s'il est fiable ou pas. Fiable. Non, alors après, ça. Quels sont les éléments qu'on met dans l'algorithme pour définir un site c'est fiable ou pas pareil. À qui appartient le codex voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, suis celui qui cherche la vérité, fuis celui qui prétend l'avoir trouvé. Ouais. Bien sûr, mais il y a vraiment de plus en plus d'outils pour, comme je disais, démêler le vrai du faux. Il est 21h29. Sur IRM.radio. On va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, mercredi 20h, 21h30 pour un nouveau sujet. Et je pense qu'on va revenir encore une fois de plus sur toutes ces notions. Et comme vous l'aurez compris, IRM Detox, c'est ça, c'est tout ce qui est manipulation, fake news. Hoax, on peut le dire, rumeur, buzz, bad buzz, théorie du complot. Ça, on va vraiment, vraiment y revenir. On vous laisse. Bye bye, passez une bonne soirée. Et à 22h, on retrouve Underbar sur la musique électro. Avec Constante. Dans la minute, 7000 mégots environ seront balancés dans les rues de Paris, soit 10 millions par jour. IRM scanne ta vie. IRM. Je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Mais dites-moi, je dois faire comment? Je suis encore dans le sale. Je suis venu dans l'inconnu. Je repartirai inoubliable. Baby, maman est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait. Je lui ai acheté des joues épais. Mais la petite n'est plus tébé. Elle veut des sorties comme au début. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chacun le chacun. De toute façon, c'est chacun son chacun. Chacun le chacun.